cosa che sa papà. Dovete ricordare il suo nome, mon père, la mère pour le Seigneur. Il est vivant. Il est vivant. Jésus. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Il est vivant. Il n'est pas ressuscité. Il est ressuscité. Alléluia. Vous savez, il y a une seule chose que moi je vois. Tout ce que Dieu a créé sur la terre ne peut pas résister devant notre Seigneur Jésus-Christ. L'homme pense qu'il est puissant, mais la mort l'engloutit. Et la mort pense qu'il est puissant, mais Jésus-Christ l'a vaincu. Ah, je pense qu'il y a quelqu'un qui pouvait acclamer pour notre Seigneur. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. C'est pourquoi j'aime adorer le Seigneur. J'aime le glorifier. Il est temps maintenant, nous pouvons adorer l'éternel Dieu. Il a sé na moi pesar Jesus Christ Yonde Elia ya na santo ko sangani na po palelo Jesus Christ Yonde makasia pale na kutama e bale pa ya we Jesus Christ oh.
Chrétien. Des fois, ça va vous choquer quand je dis cela. Il faut pas être chrétien. Alléluia. Amen. Écoutez, la Bible dit pour ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir. Vous savez, quand vous êtes chrétien, c'est pour moi l'amour. Oui, mais ce qu'on a comme Christ. Nous sommes à Christ, nous est là. Alléluia. Amen. Mais un enfant de Dieu, mais moi, dans la Zambé, il connaît les secrets de la maison de son père. Il connaît les fins fonds de la maison de son père. Il a le privilège d'entrer même dans la chambre. Azala ma coquille, mon compte en Parce que c'est un enfant de Dieu. Cause à moi, dans la Zambé. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Christ est venu. Yangoyesoyaki. Nous faire les enfants de Dieu. Pour ça, les tétos à la balle. On fait le travail pour Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Monde, bienvenue du pasteur responsable à l'occasion de la cérémonie de dédicace du temple. C'est dimanche 21 août à Iziro. Révérende la représentante légale de la communauté mission d'intercession et évangélisation des nations, leurs excellences ministres provinciaux en charge de la justice, distingués membres du comité provincial et urbain de sécurité à vos grades et fonctions respectives, monsieur le maire de la ville qui est empêché,
Révérend pasteur et chers collègues, messieurs les chefs du quartier de Saint-Zé, distingués invités à vos qualités et titres respectifs, chers frères et sœurs dans le Seigneur, shalom. En ce jour mémorable, dans les annales de la communauté mission d'intercession d'évangélisation des nations, en sigle CEMIEN, extension du Haut-Mouélé dans la ville d'Iziro, il nous est un grand honneur de prendre la parole au cours de ce culte spécial marquant la cérémonie des dédicaces de son temps. Ainsi, au nom de la communauté et au nôtre, nous tenons à vous saluer tous, venus de près ou de loin, au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, mais bien plus, vous remercier d'avoir répondu à notre invitation pour la circonstance et vous souhaite la chaleureuse bienvenue. Aussi, devons-nous, avant toute chose, de rendre des multiples actions de grâce à Dieu pour son souffle de vie, renouvelé en nous, sans lequel nous ne serions en mesure de participer à cette grandiose activité de haute portée spirituelle qui témoigne sa fidélité et notre reconnaissance pour l'appel à la mission. À la révérende, la représentante légale de la communauté mienne, nous adressons un salut différent et ma sincère gratitude pour sa disponibilité d'abandonner ses multiples tâches ecclésiastiques et autres pour s'être déplacé de Kinshasa et Siro afin de présider la cérémonie de dédicace de notre église. Maman, je vous remercie beaucoup. Amen. Révérende, la représentante légale de la communauté mienne, leurs excellences, distingués invités à vos qualités et titres respectifs, chers frères et sœurs dans le Seigneur. En effet, donc que se poserait la question de savoir comment en sommes-nous arrivés à ce stade? D'emblée, nous disons seulement que c'est la grâce et le miracle de Dieu. Et pour la petite histoire, servir Dieu a toujours été l'une de nos passions, quand bien même que nous ne savions pas exactement que nous allions aboutir à l'implantation de l'extension de notre communauté dans les chefs-lieux de la province du Haut-Mouélé qui nous accueillent pour la circonstance. Dès lors, nous trouvons pour les soins médicaux à Kinshasa et pendant notre méditation biblique quotidienne, l'Éternel nous a personnellement interpellés par cette interrogation. Pourquoi refuses-tu de répondre à mon appel de me servir en temps plein? Et c'est là alors notre nouveau point de départ dans l'accomplissement de la mission de Dieu, comme il nous a recommandé dans Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20, d'aller et faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignant-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Une fois guéri et rentré à Iziro, contre notre volonté, nous avons continué à intercéder pour que cet appel prenne corps. Et au bout d'une année, nous vous épargnons de certains détails. Voici aujourd'hui le Dieu des visions, le Dieu d'Élisée Milambo, a donné la provision pour cette œuvre que nous lui dédions, raison pour nous de lui dire gloire et honneur à jamais. On peut acclamer pour notre Seigneur Jésus-Christ. Révérende représentante légale de la communauté mienne, leurs excellences, distingués invités à vos qualités et titres respectifs, chers frères et sœurs dans le Seigneur, réaliser une telle œuvre, certes, résulte de la foi en réponse de l'appel divin, mais aussi de la part de l'homme, n'est pas à négliger. Voilà pourquoi nous tenons à remercier de vive voix tous ceux qui y sont, contribués de près ou de loin, spirituellement, matériellement et financièrement pour les sacrifices consentis. Que Dieu vous bénisse et vous en retourne au centuple. De manière très singulière, je bénis Dieu pour m'avoir donné une femme qui porte la mission dans son cœur et dont les efforts et l'ensemble ont abouti à cette résultante. Alléluia. On peut acclamer pour la servante de Dieu. Mon amour, ma bien-aimée, mon chéri, la servante de Dieu,
pouvez vraiment venez. Ah, maman, yo, pena, malamou, te, maman, yo, pena, bien. Ah, alléluia. Amen. Je vais ouvrir la parenthèse et je vais fermer aussi. Vous savez, avoir une telle femme, pour moi, c'est une bénédiction. Bien-aimé, si je suis aujourd'hui comme je suis, c'est grâce à cette femme. C'est une femme battante, une femme de prière. Elle a vaincu le diable. Elle a vaincu tout cela. Tout cela. C'est elle, la grande dame. Alors je confirme quand on voit, on dit souvent cet adage, derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Moi, je vis ça effectivement que derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. J'ai béni le ventre qui a porté cette femme. J'ai béni même la famille de cette femme. Que Dieu bénisse cette famille parce que je reçus, ils m'ont donné une bonne femme. Alléluia. Maman, que Dieu vous bénisse. Je continue, je ferme la parenthèse. On peut acclamer pour le Seigneur Jésus. Bon, et ça la joie, ça la peut pas citer. Comprenez, hein? Comprenez mon émotion. Alléluia. À tous ceux qui ont travaillé depuis de ce chantier pour donner corps à cette bâtisse, sans incident ni accident majeur, qui trouve ici l'expression de ma profonde reconnaissance. Aux fidèles de l'Église, nous rendons grâce au Seigneur pour ce don précieux, signe visible de Dieu vivant, investi comme lieu par excellence de notre édification. Tout en reconnaissant la délicatesse de la mission que Dieu vous a confiée au travers de la communauté, ma prière est que l'Éternel qui donne la vision et la provision pour la réalisation de son œuvre vous comble de sa grâce infinie sous l'inspiration du Saint-Esprit, afin de continuer à travailler sans crainte ni honte, en l'instar de Paul qui nous a exhorté à ne pas avoir honte de l'Évangile, car c'est une puissance de Dieu pour les salis de quiconque croit et en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, selon ce qu'il est écrit, le juste vivra par la foi, Romains 1er chapitre 1er versets 16 à 17. En courant droit vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Combattons donc le bon combat en gardant la foi, une bonne conscience et l'obéissance aux recommandations divines dans les saintes écritures et les règlements de la communauté. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province de Haute-Ouélé, que vive la communauté mienne d'intercession, mission d'intercession d'évangile des nations dans les Hautes-Ouélé, que Dieu vous bénisse. On peut acclamer pour notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Rapidement, on n'a plus le temps. Juste, je voulais dire quelque chose. Vous savez, les enfants de Dieu, certes, quand Dieu donne une mission, il donne aussi la provision. Nous ne sommes pas sortis du hasard. Des fois, d'autres personnes vont s'étonner. Dieu peut t'appeler aujourd'hui, mais l'accomplissement peut arriver même 10 ans, 20 ans après. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons reçu l'appel depuis 1993. Et mon épouse déjà, elle travaillait déjà. Et moi aussi, na papa azalai ya ko sala musala sous la grâce de la servante de Dieu, na se ngolu ya musali na nzambe, la révérende maman Élise Milambo, maman na biso Élise Milambo. Et Dieu dans son temps
Il est le maître des temps et des circonstances. Il avait prévu un jour. Et des fois, moi je dis souvent, Dieu travaille dans l'obscurité. Des fois, l'obscurité n'est pas quelque chose du diable. Mais c'est dans l'obscurité que Dieu travaille certaines choses. Mais même quand on regarde dans la Bible, même si on dans la Bible, au commencement, la Bible dit la parole de Dieu était tout noir. Bible que et c'était dans cette obscurité-là que Dieu commençait déjà à travailler. Et des fois, Dieu peut t'appeler dans une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, nous sommes là devant vous. Nous sommes là devant vous par la grâce de Dieu. Et Dieu là, avant de venir, rentrer ici à Iziro. Personnellement, moi, je n'avais même pas besoin de rentrer ici à Iziro. Mais la parole de Dieu, au travers la servante de Dieu, Dieu a révélé et il a dit, vous allez rentrer à Iziro parce que j'ai une mission à faire avec vous. Et mon Dieu, le Dieu d'alliance, vous accompagneront. Et je suis venu quelques temps après mon épouse m'a suivi. Et pendant tout ce temps, on était en train de méditer et de prier Dieu. Nous avons dit au Seigneur, si et réellement si, c'est toi qui nous as choisis et que tu nous as envoyés, nous vous prions de se manifester. Frère, ma soeur, serviteur de Dieu, le grand problème, c'est de demeurer sous le pied de Dieu. Et de rester à l'écoute. De faire ce que Dieu te dit de faire. Alléluia. Amen. Et pendant que certains temps, nous avons demandé à Dieu. Et comme c'était une recommandation, nous avons obéi. Et nous avons commencé l'œuvre. Aujourd'hui, il n'est pas encore une année. Depuis que nous avons commencé, je crois que c'est vrai, le 10e mois que nous allons totaliser une année. Nakanisi lelo de totonisi bul moi sansa zomi. Donc pense encore. Oui, 10e mois. Oui, sansa zomi. Donc bientôt dans le 10e mois que nous allons totaliser une année. Kalate na sansa zomi de toko kisambula moko. Merci. Alléluia. Amen. Il n'y a pas commentaire. Allez-y comprendre. Là où nous sommes. Et l'œuvre que Dieu a. Et Dieu a utilisé tout le monde. Même des païens. Même des paganos. Même des musulmans. Même des musulmans. Même d'autres frères et sœurs dans d'autres écus de Christ. Et tout le monde, je ne sais pas comment Dieu les a touchés pour venir contribuer pour que cette œuvre soit là. Et c'est la prouve que Dieu, le Dieu des miens, est ensemble avec nous. Et c'est pourquoi je vous dis, vous n'avez pas choisi une mauvaise adresse. Amen. 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 Ok. Je n'ai pas beaucoup à dire. Je donne juste parole à deux serviteurs de Dieu qui nous ont vus lorsque nous avons commencé. Et juste peut mettre le mot. Parce qu'ils étaient là, ils ont vu comment nous avons commencé. Et juste pour quelques temps. Amen. Amen. J'appelle l'apôtre Edmo. Tobengi papa Edmo. Oui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Shalom l'église. Oui, na sepeli koza nesika oyo. Je n'habite pas ici, j'habite Kinshasa. Nazala kite nazala na boka Kinshasa. Je priais de cela à deux ou trois mois passés que j'étais ici à Iziro. Nasambeli sans amisato na ozala na Iziro. Non non, deux mois passés ou trois mois je crois. Ouais. J'étais ici à Iziro. Nazala kite na Iziro. J'ai été invité par une église quelconque. Babinga tungai na e yamba mususu. Et
Et pendant que j'étais dans la maison où j'étais logé, je sentais la musique en face de moi. Je sentais les jeunes gens étaient en train de louer. C'était vraiment tout feu, tout flamme. Amen. Je sentais les gens en train de louer le Seigneur. Et je me suis dit, si je pouvais m'approcher et communier avec les gens. Parce que si quelqu'un n'est pas contre nous, c'est qu'il est pour nous. Et je nous conseille de pouvoir briser les barrières qui peuvent nous faire à ce que nous puissions nous séparer. Parce que nous nous retrouvons dans le corps qui est le Christ. C'est comme ça que je suis parti. Sans savoir quelle était la communauté, qui était le pasteur, je ne l'avais jamais vu, ni lui ni son épouse non plus. Je suis entré comme enfant de Dieu et j'ai communié. Et pendant que Bazoué me va pas là, je me suis levé comme mon païen. Je me suis présenté et je me suis identifié comme serviteur de Dieu. C'est comme ça que j'ai été accueilli en qualité de serviteur de Dieu. Alors, ce qui m'a plus touché, c'était la qualité de l'enseignement. Écoutez, la Bible dit ceci, que l'église est bâtie sur l'enseignement, l'enseignement des apôtres et des prophètes. Je me suis retrouvé dans mon église. J'ai senti les paroles qui sortaient de la bouche du pasteur comme si c'était les paroles que je prêche tous les jours. Et c'est comme ça que j'ai commencé à sympathiser avec l'homme de Dieu. Et pendant qu'on était en train de préparer un travail, j'ai appris que ma maman était décédée à Goma. J'étais obligé d'interrompre le séjour à Isiro. Je suis vite parti à Goma. Enterrer ma maman. C'est comme ça que le pasteur va m'apprendre qu'ils ont quitté l'hangar ou bien le plein air. Parce que je les avais trouvés, ils étaient en plein air. Où il n'y avait aucun abri. Il n'y avait pas d'hangar. Mais il y avait seulement la foi. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est l'œuvre de la foi. Si tu crois. Et je vois que ce travail s'est réalisé en deux mois. Le pasteur m'a dit qu'il y aura dédicace du temple. Je me suis résolu dans mon cœur. Comme j'avais vu l'église qui n'avait pas de forme. Attention, le coin est sans forme et souvent dans ma vie. Je veux venir pour participer aux dédicaces. Pasteur, permets-moi de témoigner un peu. J'ai travaillé dans une église à Goma. Après la prédication, les gens ont promis de m'acheter les billets. Et les gens n'ont pas honoré leur engagement. Pendant ce temps, le pasteur m'a appelé apôtre, voyons colonie, une délicace comme il permet. Je lui ai dit, je suis en route, j'arrive. Comme par hasard, je suis allé rendre visite à un ami, un vieil ami. Il m'a dit, ah, pasteur, tu es ici à Goma. Tu es entré quand? Il dit, je vais rentrer le vendredi. Il m'a dit, ne te dérange pas les billets, je vais t'acheter. Cela veut dire que mon salon s'en est bien. Mon salon s'en est créé à moi. Mon salon s'en est pamponné à moi. Nous avons pris notre avion le vendredi.
qui paie pour la mission de nous arriver ici à Izio. Bénissons le Seigneur. Qu'est-ce qu'elle pouvait encore dire? Nini su tokoloba. Yesu atongwa ma. Mungu asifiwe. Yesu tokita. Sie tu chou. Merci beaucoup. Asa. Amen, amen. Désir pour l'homme de Dieu. Tobengi motobi ami balé nzambe. Nous appelons l'homme de Dieu. Merci. Tobengi motobi. Lui aussi la vie. L'essence de notre vie. Je bénis le Seigneur de cette grande rêve qui est en train d'avancer en vitesse. C'est une expression de la foi. J'ai vu comment ça a commencé. Moi-même, j'allais participer dans les cultes le dimanche. Une fois, j'envoyais mes enfants. Je suis dit notre communauté. Mais en Christ nous sommes un. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Je suis fier d'être frère à la maman pasteur de cette église. Moi je m'appelle pasteur Bakili Pascal. Donc quand le pasteur Jean lui a dit qu'il y a pour lui famille, il m'a dit que ça déserte. Donc ça va bien. Nous soutenons cette œuvre avec nos prières. Je crois que c'est Dieu qui est derrière en train de faire avancer les gens. Tous ceux qui vont soutenir, je crois que Dieu va les bénir. Que le Seigneur vous bénisse. Que l'œuvre puisse avancer. Que ça avance. Merci, que Dieu bénisse. Amen. Pour terminer, nous prenons juste un mot de l'autorité. Je suis un peu plus de temps. Zali très profond. Pour la nuit, Nazali Mokonaba, ministre, tu vois, vous voyez, le ministre Bazakazo, mais Nazali Mokonabango, au Ndeko, a passé une invitation. Dans ma passé invitation, il est repassé à l'équipe du sous le cabinet, dans le bureau. C'est là où je lui ai dit merci beaucoup pour l'invitation. L'invitation n'a eu été permise. Parce que moi aussi je suis aumônier. Aussi, donc, mon tien a dit qu'il n'y a pas de bon abîme. Parce que le retour que vous avez, dimanche, il n'y a pas de côté. Je vais vous présenter ma famille. Écoutez les bossos. Sincèrement, tout ce que sur la cima, les lois sont dédicaces. Dans ce que sur le micro, comme vous allez frère Martin, appelez-moi frère Martin. Pour qui on est dans le cabinet de la justice, dans le ministre de la justice, tout ce que sur la masolo, merci beaucoup. Alléluia. Amen. Oui, Bosso Nzambe. Alléluia. Amen. Oui,
na wali bosona mutute. Yeba ke yo yende li bosona nzambe. Soko ya kipona nzambe. Pona ninyo kukua kondima. Hallelujah. Hallelujah. Epa ina nzambe mwase azate mubale azate. Hallelujah. Nanga eki disayamu nukoto vanda kimia. Hallelujah. Oh. Awa nde bana na nzambe. Hallelujah. Tongo na lelo, na popa na lelo, na evite, ebongete toka bolango kaka. Pwete kotala misana nzambe ya bolamo asale libiso. Soki yoko yao zangye sengongana so kominikia mwona kombo na Yesu Kristo. Makamboeza laki ndoto, lele komi realite. Soki na eba kata kwa eba nzembo wana bena yembia. Hallelujah. Nazane sengo, komona libota na bana na nzambe, komona ba papa, komona ba mama. Weza loboko na nzambe nde memibino awa. Eza pona ngaiti. Hallelujah. Amen. Komona lingina ya visa moto moko na tongo na lelo, na poko na lelo. Oye na yote kaka pona pamba. Oye pwete ozwa iloko moko kuhute pai na nzambe. Biso nyoso tozo kumbame na nzambe. Soki yoko zane pekiseli ya kolobete te, kuna na mwoni mwasinde ya kolobangana kokende te. Aleluya! Oh! Aleluya! Oh! Nasanga kama loba ya koloba. Pwete nzambe ya zama alamu, aponi mwasi te, aponi pe mobali te. Eloko yokolo zolu kama Kristu ya solo. Banga na nzambe ya solo. Oye bazo banga nzambe. Oye bazo tamba olenge ya lingi. Atali sexy te. Hallelujah. Yelo na epe toko bima wa pamba te. Oko zwe loko yoko pesa yoko kimia na motema. Yoko tala mwasi te. Tala muto yoyo yeli. Hallelujah. Na koloba mingi te pwete ngonge zon leka. Tozo benga mwungu mosali na nzambe. Eso kinga na telemi lelo, koza la mama po endenge na telemi, eza na moto moko, oya asala kete, na nzambe na ena zala ndenge na zane. Eza na batomo susu peba zaka na bamoka zala baboti te. Kasi esengo komona moboti, oya asali ete nga ina zala ndenge na telemi lelo. Oya asali ete na pika molamu ya niloba na nzambe. Oya asali ete na zala mwasi malamu nukoso na mobali na ngayi. Oya sali maramu ete na bate la bana na ngari. Oya sali maramu ete bana na nzambe bayi ya babanda kati na we sika. Eza na mwasi moko. Aleluya. Oh, koza na mama ya modelo yo. E na zala kipe lenge. So ki na tala ki libota mbe na zande nge na zale lote. So ki na tala ki bande kona ngato mpoti na ngari. Tamu susa lingaki ya lingate. Kasi ya pesa kinga mamo ya bongi. Nabenga kae mama. Nabenga kae yaya. Nabenga kae nyoso. Aleluya. Asa esembo ya bomo inangai. Nazela na Yesu Kristo. Elelo yoto ningito yoko lilo bako ute pai na mosai na nzambe. Na koyemi sayo papoza liyao. Aleluya. Kola sepe la kalabatoe wakiti. Mayele na yo bomba angonami. Aleluya. Bomba nyanu mayele na yo. Bomba nala, bomba yango. Eyo mi kita, tangu yoko kita, nde nzamba kweba kufumbe loma kambu malamu. Aleluya ngomba na nzambe. Amen. Bozane sebo kwe ya bae. Amen. Soki bozane sebo kwe tele manani. Pesi
Si vous pouvez me permettre que je puisse présenter la délégation. J'avais une délégation de 3 personnes. Elle est aussi la prophétesse de Dieu. Parmi ceux qui sont entre les maîtres et les maîtres. Papa Nabiso, Miki Kitoko. Alléluia. Amen. Et à Misato, Natamola qui n'a sœur Nabiso, Déborah Bodika. Notre sœur aussi Déborah. Et à Zali Moyemi, la groupe les élus du trône. Dans le groupe les élus du trône. Alléluia. Amen. Et notre sœur hein. Le serviteur a dit que le travail était abattu pendant 2 mois ou 3 mois. Ce qui nous a mettés. Ni t'étais Dieu. Même nous sommes à Kinshasa, jamais. Même nous à Kinshasa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors pour nous, c'est un fruit à sacrifice. Pour moi, c'est le fruit du sacrifice. Parce que sans sacrifice, ma foi est pour ça les locaux. Car sans sacrifice, personne n'a pas de et Dieu était avec eux. Je dirais un peu pour la servante de Dieu, maman Virginie. C'est une femme qui conduisait déjà la cellule. Elle a bien travaillé. Et lorsque l'occasion fut présentée, je lui ai dit que ce que Dieu a mis dans toi, va et travaille pour le compte de Dieu. Je sais que Dieu sera avec toi. Et quand papa est là, je sais que vous irez bien dans le monde. Elle est venue, nous avons prié pour elle devant tout le monde à l'église. Va et parce que Dieu le dit, allez partout au monde et prêchez la bonne nouvelle. Amen.
La bonne nouvelle ne pouvait pas s'arrêter, et tout ce travail a bâti et les fruits du sacrifice. Il y a aussi des moments là où la femme. Le travail de Dieu était mis en premier, même si des fois il s'est sacrifié pour ne pas s'habiller, mais pour travailler. Je vais vous dire, les dieux de l'appel. Qui se souvient de vous jusqu'à la quatrième génération. C'est une prière spéciale. Quand je lis la Bible, je suis en train de chercher une prière. J'ai cherché. Mais je dis en fait. Que Dieu bénisse tout. Ok, nous allons directement à la matière. Nous allons directement entrer. Ah, tout ça la dédicace. Nous sommes à la dédicace. Mais nous allons mettre un mot sur la reconnaissance à Dieu. Mais je vais parler sur un autre thème de la reconnaissance à Dieu. Dans votre zone, on va les colonner la reconnaissance. Quand nous parlons sur la reconnaissance. La personne qui reconnaît que Dieu lui a fait des bienfaits. Et cette personne ne peut que dire merci à Dieu. Remercier seulement Dieu. C'est ce que je veux dire cet après-midi. Dieu nous a aussi. Nous aussi, nous venons de loin. Nous venons de loin. Et nous sommes venus en ce lieu. Nous aussi, nous sommes reconnaissants envers Dieu. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi. C'est que Dieu a fait dans ta vie, tu n'as rien à lui dire. Aujourd'hui, Dieu t'a béni. Aujourd'hui, Dieu t'a fait. Il y a aussi de ceux-là qui ont eu la grâce. Il y a de ceux-là qui ont réussi la grâce. Ce ne sont pas les efforts. Ni de nos relations. Ni de nos familles. Nous sommes les noms de notre mais la grâce de Dieu. Et moi aussi, c'est tenir debout devant vous. C'est la grâce de Dieu. J'ai eu la grâce. Mais c'est tenir debout. C'est pourquoi je dois être reconnaissant. Je dois être reconnaissant. C'est ce que je veux partager. Écoute ce que je vais te dire. La reconnaissant et pas inazambe, être reconnaissant envers Dieu. C'est pas quelque chose qui se joue. Nous devons reconnaître Dieu tous les jours. On ne peut pas reconnaître Dieu. Parce qu'il t'a béni aujourd'hui. Parce qu'il a fait pour toi aujourd'hui. La Bible déclare. Dans toutes les circonstances. Il faut louer Dieu. Parmi les moments difficiles de pleurs, de tribulations, tout ce que nous devons reconnaître, parce que la Bible dit à Dieu, hasard est à la carte, pas hasard. Car la Bible dit à Dieu, et tout ce que nous avons programmé, et dans les programmes de Dieu, et dans les plans de Dieu, que le mal arrive, et dans les plans de Dieu, que le bien fait arrive, et dans les plans de Dieu. Que Dieu te bénisse. Personne ne garde l'autre pendant son sommeil. Même quand vous êtes garde malade, les moments, les sommeils, on oublie même les malades. Alors le vrai sentinelle est à la main de Jésus-Christ.
C'est comme ça que je voulais dire. C'est pas seulement pour dire merci. Je vais te dire une chose. Être reconnaissant à Dieu, c'est notre devoir quotidien. Nous devons le faire tous les jours. C'est pourquoi toi et moi, nous devons quand nous regardons ce que Dieu fait, nous voyons que Dieu fait des grandioses choses. Ce qu'il fait dans nos vies, je ne peux pas te laisser. Toi-même, tu connais ce que Dieu fait et ce qu'il a déjà fait. Et pour voir ce qu'il va faire dans ta vie, tu ne peux pas commencer par reconnaître. Alléluia, Église. Écoute-moi, Église. Il y avait des épreuves qui étaient 10. Dans Luc, chapitre 17, verset 19. Ok. Ok, on peut continuer dans la vie. Ok, alléluia. Alors, ces gens-là étaient malades. La lèpre. Mais dans mon passé, l'équipe en haut. Lorsque la lèpre s'aggravait, un jour Dieu les a fait grâce de se rencontrer. Et la Bible nous dit, lorsqu'ils prenaient le voyage en route, ils se rencontraient avec Jésus. Lorsqu'ils ont compris que Christ, ils ne se sont pas tués. La Bible dit qu'ils ont été malades. Car ils reconnaissaient que leur maladie est contagieuse. Ils ont pu s'approcher. Et comme ils connaissaient, ils se sont mis dehors. Jésus, fils de David, est pitié de vous. L'homme de Galilée est pitié de vous. C'est toi le sauveur qui est pitié de vous. La maladie nous a perdu. Et la Bible dit, lorsqu'ils ont dit cela, Dieu les a attendus. Il leur a dit, c'est bon, je les ai attendus. Mais allez vous montrer au sacrificateur. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, lorsqu'ils ont attendu cela, ils se sont levés pour aller chez les sacrificateurs. Ils ont pris la route pour aller se montrer au sacrificateur. Les Écritures nous disent, lorsqu'ils étaient dans la marche, ils se sont sentis guéris. Ils ont eu la guérison. Et parmi les 10, la Bible dit, on continue avec leur marche, sauf un qui a dit, mais c'est je dois retourner. Et la Bible dit, les 9 ont continué leur chemin. Mais Moko a zongi et pas la Christ. N'a pas continué que c'est quelqu'un qui est le premier Israël.
La question de Jésus était, toi tu es revenu, et où sont les autres? Où est-ce qu'ils sont partis? Eux ne sont pas guéris. Alléluia. Or, ils comment ils sont pas revenus? Lève-toi, femme, ta foi t'a sauvé. Et quand je lis la Bible, ceux qui m'ont dépassé, il avait l'idée de construire un signe de reconnaissance, un signe de reconnaissance pour tout ce que Dieu lui a fait. Il a fait des choses. Dieu t'a béni aujourd'hui. Que penses-tu faire pour nous? Tu es là seulement pour venir à l'église. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Oui. Même les païens appellent ça merci. Même les païens disent merci à Dieu. Même les féticheurs disent merci à Dieu. Même ils sont dans les cris, ils sont en train de dire merci à Dieu. Ils reconnaissent aussi Dieu comme le créateur du ciel et de la terre.
merci. Ils disent aussi merci. Même les occultistes. Mais bien sûr, on a beaucoup fait sans Zambé. Mais les versets qui sont dans le Zambé, c'est différent. Et moi, il faut qu'on parle parce que Naïla y est bien. Parce que moi, je connais. Et pour rien, on a merci Zambé, madame, c'est le cas où il y est bien. Pour connaître comment remercier Dieu. Alléluia. David a connu sur mon thème, Naïe. David a connu. Le Seigneur Naïla Togela Zambé. Je dois construire pour Dieu. Le Seigneur Naïla Sala, il est au Songo, le Pona Zambé. Je dois poser un acte pour Dieu. Et Zambé, à mon acte, ma canisse à David. Et Dieu a vu cela. Il a vu le besoin de la Bible. Quand j'ai lu la Bible, je me suis posé la question pourquoi David a été pensé. Il a vu qu'il habitait dans la maison. Il a mis la maison. Et pourquoi Arche Zambé fait dans la carte à Bakapo? Pourquoi l'Arche de Dieu? Alors que moi, David, n'a déjà la repos. Pendant que moi, David, je suis dans le repos. Alléluia. Bibi a l'obéi, après ça, après, il y a un repos à tout côté. La Bible dit, il donne aussi le repos. Alléluia. Amen. Parce que David va dire, repos à tout côté, ça. Le repos à tout côté. David a son repos. Et ça, ma malikota, là, n'a fait repos grâce à Dieu. Ce qui nous a fait, c'est grâce à Dieu. Quand il y a su que tel qu'il était, c'était grâce à Dieu. Ok. Maman, elle est de continuer quand même. Oui, oui. Je peux l'aider. Merci. Vous me savez la radio. Oui. Vous avez me savez la radio, ça y est, déjà. Ok. Alléluia. Alléluia, Église. Amen. Et David, à son temps, comment Arche Zambé confond dans la bande d'accord et sécurité? Et David a regardé comment l'arche de Dieu ne peut pas rester dans les mains. Arche confond dans la serre à Bakapo. L'arche de Dieu qui demeure. Alors que moi, la femme de la bicycle, madame. Pendant que moi, je suis dans la bande d'accord. Là, pour besoin de cèdre. Et lorsque je suis dans la bande d'accord, la bicycle, il y a un mot tout et un tango. On parle sur des choses. Parmi la bicycle, il y a un mot tout. Des choses de valeur. Et cèdre aussi, c'était parmi les choses de valeur. Alléluia. Alors David a dit qu'on comprenne si quand il y a Fanny, il a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit regarder là où il habitait et la manière dont il passait la vie. Il a dit non, mon Dieu. C'est lui qui a combattu pour moi. C'est lui qui m'a donné la victoire. Ne peux pas rester dans la maison. Il faut construire une maison pour notre vie. Écoutez bien, peuple de Dieu. La Bible dit depuis que Dieu a fait sortir l'Israël dans l'Égypte, il n'y a aucun jour qui est en train de l'Égypte. Et la Bible dit. Sans mécontent la pensée à David. Et quand Dieu a regardé le pensée David a rien vu, c'est pas Nathan. Et David a dit à Nathan. Alors, il a posté son bras dans mon cœur, Nathan. Dans mon cœur, je besoin. L'arche de Dieu ne peut pas rester comme ça. Et Nathan, le prophète Nathan lui a dit, fais ce que tu peux. Et cette nuit-là, et Dieu a parlé à David. Et il a dit, allez dire à Israël. Depuis qu'il a sorti d'Israël jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais demandé à quelqu'un de continuer. Je n'ai pas dit à personne, ni à Moïse, ni à Alléluia. Alléluia. Et dit à David, je suis Dieu. Le plaisir qui est dans son cœur. Mais je ne lui donne pas l'occasion de continuer. Je ne lui donne pas l'occasion de continuer. Mais pas parce que je sais que je vais donner cette occasion à l'un de ses enfants. Alléluia, Église. La maison de Dieu. Et Zamba va venir pour relater l'histoire de David et pas Nathan. Et Dieu a commencé à relater l'histoire de David. Et c'est moi Dieu qui a donné la victoire à David. Et je prie tous ses ennemis, je les ai victoire partout et à Kenda. Et je lui ai donné la victoire partout la famille. Et j'ai sorti vaincu dans tous les jours. Et tout, je l'ai exterminé tous les jours. Et là, la famille, si elle a répondu à paix, si elle doit. Aujourd'hui, je lui ai assis, je l'ai fait asseoir dans les jours. Mais je ne veux pas que lui puisse me faire. Mais je vais choisir parmi ses enfants. Alléluia. Et la Bible nous montre. Quand Nathan se fait pas à David. Et pendant que Nathan était en train de faire. Et David ne pouvait pas se faire. Et il a écouté la parole de Dieu.
Et il a laissé la volonté de Dieu s'accomplir dans sa vie. Alléluia. Amen. Et Dieu, dans ce plan, il a choisi Salomon. Il lui a accordé la chance de construire le temple de l'Éternel. Mais David n'a pas laissé Salomon. Et il a tout préparé pour le temple de Dieu. Et il a donné à Salomon. Et Dieu a dit à David, accorde bon temps. Je vais te dire une chose. Je prendrai l'un de tes fils et je vais l'asseoir dans ton trône. Et je vais affermir sur le trône de ton fils. Et son royaume va demeurer éternellement. Et c'est un enfant qui sera béni. Et Dieu a parlé à David de tout ce qu'il a fait en conscience. À cause de la reconnaissance. À cause de la reconnaissance. À cause de la reconnaissance. Même s'il n'a pas conscience. Mais cette idée-là, cette reconnaissance, une bonne chose de penser là. Et ça, et Dieu a béni la famille Salomon. Il a béni Salomon. Et la parole de Dieu nous dit. Et lorsqu'on est arrivé à l'époque de Salomon, et Salomon a bâti il a trouvé toutes les choses que Dieu a préparées. Et lorsqu'il a construit le temple, et il a fait tout ce que Dieu nous a fait. La parole de Dieu nous dit. Un jour, Salomon s'est dit, il a dit, l'Éternel, comment je peux diriger Bango? Comment je peux diriger Bango? Comment je peux diriger? Je vois que je ne suis pas intelligent. Je vois que je n'ai rien. Il savait. Et Dieu lui a rappelé.
même si tu disais beaucoup de choses, mais la seule chose que tu peux retenir, c'est de reconnaître Dieu. Pour reconnaître Dieu, et chaque fois que tu vas reconnaître, et chaque fois que tu vas reconnaître la grandeur de Dieu, oui, Dieu a dit, je vais te donner la sagesse. Mais ce n'est pas fini. Parce que tu as demandé la sagesse. Mais moi, je vais te limiter. Je vais ajouter encore. Et je te
pourquoi je dis ça, c'est le fruit des sacrifices. Yes. Et ce couple a reconnu la grâce de Dieu. Et nous qui chassons n'ont pas encore payé l'argent ici. Hein? Rien. Nous, on envoyait simplement des conseils, des tolis, des prières. Fais ceci et c'est ça. Et fais cela. Et là, ne fais pas non. Il faut faire ceci. Voilà. Et c'est ça que nous faisons. On était en train de faire. Et mettre notre. Et la Bible dit allez prêcher la bonne nouvelle. Et laissez les êtres manger de bien. Ça doit aller partout. Et parler du Sangali. Et c'est parmi les missions que Dieu nous a. Alléluia, par la Nazaré. Zala reconnaissait par la Nazaré. Reconnaître la Nazaré. Naïa est sur le Komoko. Je vais te dire une chose. Quand on attend la Bible, hein, et quand on a zomita, la zomituna. Quand je lis la Bible, des fois je me pose des questions. Je vis que la reconnaissance. La reconnaissance retarde même la pauvreté dans la vie de quelqu'un. La reconnaissance est garde. Je vais dire la part de Dieu. Pourquoi les gens qui ont reconnaissé les amis de Dieu? Et c'est toi, tu reconnais que Dieu est un Dieu. Et Dieu va être venu pour passer la vie. Et Dieu va ajouter encore ta vie. Lève-toi, va ta foi. Alléluia. Oui. Fatigué. Fanda. Tu vas y aller à l'église qui est notre.
si tu es fatigué, vois que Dieu est fatigué, quelqu'un vient avec maladie, dit, allez simplement à l'église parce que l'église est conçue pour le nom de Dieu. Et tous ceux-là qui viennent dans l'église de Dieu, peu importe la gravité de la situation, peu importe votre foi. Et c'est pourquoi ça m'a fait grandir même dans la foi. Laissez-le. Et tu seras. Amen. Le serviteur de Dieu, je veux dire. Même dans nos maisons. C'est le temps de puissance que Dieu a préparé. Il y a des fois, on amène les malades dans ma maison pour que je prie, mais je commence simplement à parler. On a parlé et quelques temps après, je lui pose la question comment. Il dit non, je suis guéri, je ne sais pas. Et il sort lui-même. Et il est parti. Pendant qu'il était béni, on l'a transporté. Parce qu'il était venu auprès de Dieu. Il n'est pas venu chez moi. Et je ne peux pas dire que c'est moi. Je ne peux pas me glorifier. Et je ne peux pas prendre la place de Dieu. C'est Dieu là qui m'a guéri. Et pendant plusieurs des hommes de Dieu dans ce pays, beaucoup des hommes de Dieu se sont affaiblis parce qu'ils ont pris la place de Dieu. Ils sont allés chercher à prendre la place de Dieu. Il ne faut pas chercher l'homme de Dieu à prendre la place de Dieu. Restez toujours invité. Laissez toujours Dieu à la place de Dieu. Laissez le trône de Dieu. Et Dieu l'a répondu. Et de la même manière que Dieu est bon pour la vie. Et c'est pourquoi j'ai dit après le vie, je vais partir. Oh, ne venez pas parce que maman est venue. C'est le match de paix de Dieu pour que Dieu ici vienne à tes côtés. Et parce que tu as reconnu ton Dieu et Dieu t'a donné la vie. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Je vais apporter une chose. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Et tout ce qu'il dit, il a compris. Une fois tu reconnais. Et tout ce que tu fais, tu reconnais que Dieu est là. Et la bénédiction que Dieu t'a donnée, tu reconnais. Les enfants que Dieu t'a donné, tu reconnais. Au lieu de diriger tes enfants, ne dirigez pas ta famille de selon toi. Et c'est pourquoi un jour toi-même tu seras victime. Parce que tu ne veux pas reconnaître. Combien de hommes ont été sauvés? Dieu t'a donné. Est-ce que toi tu reconnais les bienfaits de Dieu? Est-ce que tu connais que ce sont les travaux de Dieu? Dieu t'a béni. Il t'a élevé. Et si tu reconnais que c'est une grâce que Dieu t'a fait pour toi, Dieu va te multiplier encore. Mais si tu ne reconnais pas, tu penses que c'est simplement parce que ton intelligence ou ta force, Dieu va te réduire. Et tu verras à un moment donné, c'est fini. Cette source-là, ça ne va plus produire encore de l'eau. Un jour, Dieu m'a envoyé chez un enfant de Dieu. Et parmi des hommes élevés en dignité dans notre pays, il était gouverneur à cette époque-là. Nous ne sommes pas là pour citer les noms. Et lorsque Dieu m'a envoyé, il m'a dit, allez dire à cet homme, si seulement pour sa famille, il ne pouvait pas accéder à ce trône-là. Il ne pouvait pas devenir gouverneur. Même si lui ne connaît pas, même s'il m'a passé, même s'il ne travaille pas pour moi, mais qu'il sache que s'il est là, c'est moi.
va le dire. Je ne lui ai demandé rien. C'est le mec qui me la reconnaissance. C'est le mec qui reconnaît que c'est moi Dieu. Et si lui refuse de reconnaître que c'est moi Dieu qui l'a établi, 6 mois c'est beaucoup. Il sera destitué. Il va devenir simple monsieur. Et personne ne va lui donner encore l'honneur qu'on lui doit. Alléluia. Amen. Pardon. De voir les autorités, lorsqu'on voit un homme de Dieu s'approcher devant lui, il te regarde tout d'abord. Vous savez, à cet instant-là, vous voyez cette masse ici que j'ai, je n'étais pas comme ça. Et il te regarde de la tête aux pieds, il dit, regarde une mauvaise chaussure, je ne sais pas moi quel type de chemise. Et il dit, bon, peut-être c'est la fin. Il a besoin d'argent. Il vient commander. Il dit que Dieu lui a dit. Alléluia. Non. Et moi, je suis fier dans mon Dieu. Partout je passe, je suis passé, même dans les maisons. Même dans les maisons de grands hommes. Si Dieu m'a envoyé, de la même manière que j'entre, de la même manière que je sors. Ton argent, tout ce que tu as gardé pour toi, pour ta famille. Mais je viens simplement faire le travail que Dieu m'a fait. Bon, j'ai écouté ce que tu as dit. Mon protocole vient. Prenez l'enveloppe, donne-lui. Et qui paie un bénéfice de transport. Mais respect, j'ai mon transport. Amen. Oh, maman, tu es quand même une serviteur seulement de Dieu. Non, tu ne peux pas sortir comme ça. Non, merci, papa. J'ai beaucoup de respect avec vous, mais j'ai mon transport. Alléluia. Et un jour, je suis allé quelque part. Un jour, je suis allé quelque part. Et à la fin, on demandait. Et on dit, je dis simplement non. Laissez, j'ai une voiture de rien du matin. Mais pourtant, j'ai même pas une voiture. Mais simplement, ils sont venus en de votre Dieu. Amen. Il faut être fier, je suis fier de mon Dieu. Je ne peux pas céder pour les petites choses. Dans cet temps, je n'ai pas le droit de l'erreur. Je n'ai pas le droit d'erreur. Le temps que je pouvais faire l'erreur, c'est déjà passé. Maintenant, je ne peux pas. Et je dis, non, papa, nous avons une voiture. Et si, il y a, vous ne savez pas, j'ai fait une force. C'était juste une façon de se japper simplement. Et je suis sorti, je parle. Alléluia. Amen. Et ce que l'on reconnaît ensemble. Il fallait être reconnaissant. Aujourd'hui, c'est le fruit de reconnaissance. Et c'est le fruit de reconnaissance. Ils ont pensé ce qu'ils pouvaient donner. Et vous voulez dire à vous. Ce que vous avez fait, ce n'est pas pour vous. Vous avez construit pour votre vie. Et le Dieu qui nous a payé, qui vous a protégé. Il faut que vous puissiez donner la gloire. Et il ne faut pas porter cette gloire. Un conseil que je vous donne. Et la gloire n'est pas à vous. Et la gloire c'est à Dieu. C'est à lui qui mérite la gloire.
par les yeux et devant les autorités. Et devant les autorités de Dieu. Le travail est de Dieu. Je reviendrai un jour. Je voudrais vous dire une chose. Devant le peuple. Et Dieu a quelque chose qui va ajouter dans votre vie. Amen. Il y a des choses. La première chose, c'est la renommée de Dieu. Amen. Il ne faut pas regarder que tu es une femme. Moi je me souviens une fois, Dieu m'a dit, il ne faut pas regarder que tu es une femme. Tu n'es que tu es un homme. C'est pourquoi moi je dis, quand je suis devant l'œuvre de Dieu, je ne prends même pas mon âge. Et il y a des fois, les enfants disent, maman, un peu de repos, il faut se reposer. Donc, je me repose un peu, mais je vous laisse un peu le temps de travailler. Alléluia. Amen. Il ne faut pas te voir que tu es une femme. L'esprit qui est en toi, ce n'est pas l'esprit d'une femme. Amen. L'esprit qui est en toi, ce n'est pas l'esprit d'une femme. Et l'esprit que Dieu nous a donné, ce n'est pas l'esprit de tête. Ce n'est pas l'esprit de tête. Ce n'est pas l'esprit qui a des complexes. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que celui-là c'est un monsieur ministre, celui-là il est licencié, celui-là c'est un docteur, celui-là, patati patata. Non, non. C'est que Dieu a mis en toi ce plus grand que celui qui est dans nous. Peu importe ça. Mais il y a quelque chose qui se et Dieu fera des grandes choses dans ta vie. Et Dieu va t'utiliser beaucoup pour nous. Attends, tu me voyais pour tout le monde. Il y aura des combats qui viendront la nuit au jour. Et ta tête. Et lui, il prend la soin de ce combat. Il va combattre pour toi. Je parle pour le couple. Dieu vous a fait grâce. La Bible le dit ceci. Tu veux être grand, il faut être un serviteur. Et si tu veux être devant, restez esclave. Et je parle au couple qui te longa. Et soyez le serviteur de tout ce peuple ici. Que eux soient devant et vous soyez dans en bas. Soyez le serviteur. Et tous leurs besoins ils viendront vers vous. Et s'il vient demander, donnez-le pour la gloire du Seigneur. Et la solution, ce n'est pas vous qui va donner, mais c'est Dieu qui va donner les solutions. Alléluia. Amen. Pour le travail ici abattu, que Dieu se souvienne de vous. Amen. Que Dieu pense à vos enfants. Et pour dans le temps qui est ici. Et le temps que moi je vais quitter ici pour rentrer. Et vous allez voir que Dieu va élever. Alléluia. Et Dieu va élever parmi vos enfants un qui sera vraiment élevé. À cause de la reconnaissance. À cause de la reconnaissance. Et ça va pas se terminer là. Et la reconnaissance, le bienfait de la reconnaissance. Faites ça de la même manière. Et partout vous allez. Et partout vous allez mettre à tout par la chaque fois. S'il faut faire du bien à quelqu'un, faites-le. Même auprès des serviteurs de Dieu. Même dans les plus sœurs, il faut le faire. S'il y a moyen de le faire, faites-le. Qu'il soit comme une reconnaissance que vous êtes en train de présenter, demander chaque jour dans votre vie. Alléluia. Amen. Amen. Et puis, il y a un seul amour.
Oui, je vais pas venir Salomon. Oui. Et que Dieu a béni Salomon, il lui a donné de la richesse. Amen. Même tous ceux-là qui ont contribué pour cette œuvre. Que Dieu vous bénisse et ajoute encore le sentiment. D'une manière ou d'une autre que vous avez contribué, même ceux-là qui ont donné de l'argent, mais il y a d'autres qui n'avaient pas d'argent, ils ont donné l'intelligence, ils ont donné des idées, le temps. Et il y a d'autres qui n'avaient pas de temps, il n'y avait pas de moyens, il y avait des relations. Il y a servi que ce temps. Et dans toutes ces relations, on a produit quelque chose. Et c'est là, c'est votre contribution. Et c'est ça ce qui prouve que c'est que lui a contribué. Tous ceux-là qui ont contribué d'une manière ou d'une autre, que Dieu vous bénisse. Et laisse que la parole soit. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons être reconnaissants à Dieu. Et après cela, nous allons passer dans notre dédicace. On n'a pas beaucoup de temps, Dieu va nous aider. Ce que Dieu t'a donné de ne donner si tu n'as pas de tchadana. Ok, nazuli kasiko yo bayembi basa. Tozui verset nango 29. Rois chapitre 8 verset 29. Et pendant que nous allons lire ces écritures. Comme dans mon malade, je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me Et tout le monde soit resté concentré parce que nous voulons partir du moment. Bon, c'est bien l'ingain à yo. Je vais lire la parole de Dieu, les paroles que Salomon a dit lorsqu'il était allé devant Dieu. Et l'Église sera là simplement pour dire merci à Dieu. Amen. Et toi qui es là, tu vas continuer simplement à dire Amen. Et lorsque vous allez rentrer à la maison, vous pouvez lire tout. Et vous allez constater que Salomon, avant de détruire le temple, il était reconnaissant vis-à-vis de Dieu et reconnaissant vis-à-vis de son père David. Il a reconnu quand même le bien de son papa. Il a dit merci à Dieu par rapport à tout ce que Dieu a dit auprès de son père. Et c'est pourquoi je vous prie avec tout le respect de se mettre debout. Et la parole de Dieu nous dit ceci. Même ceux-là qui sont dehors. Amen. Et la Bible dit lorsque Salomon a terminé de construire le temple de Dieu, et il a pris l'âge de Dieu pour faire introduire dans le temple. Et il a fait une prière.
Et de la même manière que la Bible nous dit que Christ avait fait aussi une prière sacerdotale. Et Salomon aussi a fait une prière pour dédier le temple. Et lorsque ce temple était construit, ce n'est pas pour la famille de Jean, non pas pour la famille de Virginie. Ce n'est pas conçu pour les gens du quartier ou que ce soit, c'est pour les enfants de Dieu. Et c'était construit pour au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible nous montre, quand Jésus parlait avec ses disciples, et il a posé la question, qu'est-ce que les gens disent de moi? Et chacun a donné sa réponse. Et Pierre a dit, moi je connais que tu es le Fils de Dieu. Et lorsqu'on parle sur le temple, et on parle sur la maison qui est bâtie au nom du Seigneur Jésus, et nous sommes venus bénir, dédier le temple. Et Salomon a dit, toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute les cris et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Amen. Que tes yeux soient nuit et jour. Amen. Ouverts sur cette maison. Amen. Sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière de ton serviteur, faite en ce lieu. Amen. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël. Lorsqu'ils prieront à ce lieu, exaucer du lieu de la demeure. Des cieux exauce et pardonne. Amen. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, écoute-le des cieux. Amen. Agis et juge tes serviteurs. Amen. Condamne les coupables. Amen. Et fais retomber sa conduite sur sa tête. Amen. Rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Amen. Reste des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à leur père. Amen. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ces lieux et rendent gloire à ton nom et s'ils se détournent de leur péché, parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple, Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher. Et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Amen. Bible dit, quand la famine, la peste, la ruine, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays. Quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, quand ses portes, quand il y aura des flots ou des maladies quelconques, si un homme, si ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la paix de son cœur et tende le main vers cette maison, exauce-le des cieux du lieu de ta demeure, et pardonne, agis et rend à chacun selon ses voies. Toi qui connais le cœur de chacun, car le seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Amen. Et s'ils te craindront tout le temps qu'ils vivront dans le pays et que tu as donné à nos pères, quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main est forte, ton bras est tendu, quand il viendra prie dans cette maison, exauce-les des cieux, du lieu de ta demeure et accorde à cet étranger tout ce qu'il demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour les craindre comme ton peuple d'Israël. Et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Quand ton peuple sortira
pour combattre son ennemi et suivant la voie que lui aura prescrite. S'il s'adresse à l'Éternel, les prières, les regards tournés vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce-les des cieux, leurs prières et leurs supplications et fais-leur gloire. Amen. Et Dieu m'a dit, là où vous allez bâtir, je ferai cet endroit puissant. Et à partir d'aujourd'hui, ça devient puissant de votre salaire. Et tout le monde qui vous descendra puissant n'est pas sorti malade. N'est pas sorti dans des problèmes. Et je déclare que ça va être comme ça au nom de Dieu. Même si tu es béni, même si tu es béni avec les lois établies, même si la mort t'a coupé, mais une fois que tu mets tes pieds ici, le Dieu d'alliance, il descend et il va agir dans ta vie. Et de génération en génération, on mettra le pied. On allait. Tous les enfants. Même tous les serviteurs de Dieu qui auront la joie de venir. Il faut que Dieu puisse ajouter quelque chose dans leur ministère. Et si c'est confié à ce Dieu, et si reconnaît ce Dieu ici, et Dieu va ajouter encore un plus. Ce qui ne savait pas, Dieu va donner. Et cela au nom de Jésus. Et quand pendant que les collègues sont en train de chanter, là on fait. Yeah.
Et il faut le savoir que Dieu est dans nos solutions. Il va vous donner des solutions dans tout vos problèmes. Et je voulais prier pour les serviteurs de Dieu. Et approcher. Amen.
Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Département sécurité, tous en affaire l'absolu Gédéon. Département accueil, tous en affaire l'absolu Bibiche, Pesser Angèle. Département protocole, tous en affaire l'absolu Tchoul, Yamakili, Pesser Mado. Intendant, tous en affaire l'absolu Mara, et maintenant, tous en affaire l'absolu Pascal, et frère l'absolu Motema. Seigneur, nous sommes ici, Bassani, dans le monde, 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 la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Seigneur, ma côté pour nous servir. Seigneur, Seigneur, nous pensons à ma mère, mais il y a une autre côté, ma capacité, nous sommes intellectuels, mais spirituels. Seigneur, pensons à ma mère, ma casse, pas à la force à vivre, pas à la bête fatigable, pas à ma porte, dans le monde, dans le monde, dans le monde. Zambé, la bombe. Boutoumo et tombe pourquoi? Considérons que mon côté, ceux qui va tomber le bongo pour le bépin, ça n'est pas bon. Bato yo pesi babo pour la cocaba. Pesa babo maïe le bacan babato, on a la kimia, puis la bocolonios. Aux anzabe malam. N'a pas mouri, bate pour la bisou. Bas à la béni, n'a moussara ou bengi babo ou ça. Mini pour la babo pamboura. Zotra babo pamboura. Bas à la rempli dans Saint-Esprit. Maintenant, il s'agit de ma coquille, peine à mourir dans mon sang. Parce que Yamonde est au Sunga Bambo. Yamonde est au Sangete, parce que mon sang est na Kimia. Pambola mili mon abambo, pambola ma botte na bambo, pambola bazote na bambo. L'ombre ma lagi moussika na bambo. L'ombre bitumba ou est télémena qui bambo, tant que basu engagement à consale na yo. Bitumba n'yon sur la vie na bambo qui est de moussika. Ma lagi est libérée zote na bambo. Pour qu'en la manaba forme, la yamonde soit libérée bon na bambo. À ta pauvreté, ça sous la place de la vie là bas. Ce n'est pas bien comme il paye d'ailleurs, pas salé d'ailleurs, pas à la béni, matériellement, financièrement, physiquement, pas à la béni, au nom puissant de Jésus, tout le monde est le plus de merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.
Yes,